L'histoire de la commune est fortement liée à celle de l'île de Noirmoutier. En 674, le moine Saint-Philibert y fonda un monastère. Durant la Révolution, la commune, alors nommée Noirmoutier, porte le nom d'île de la Montagne. Dans la seconde partie du XVIe siècle, l'île est un haut lieu de la contrebande de tabac, au même titre que Pembuff. En effet, Louis XIV crée en novembre 1674 une ferme du tabac qui achète le tabac aux Antilles à des prix bas pour revendre à des prix élevés, s'exposant à la concurrence du tabac de la Virginie. Les stocks importés sont ensuite écoulés sur le continent au moyen de petites embarcations appelées les chattes.